Éducation des filles et leadership féminin. C'est la thématique centrale sous laquelle s'ouvre l'édition 2021 de la campagne de communication Stronger Together. Activité de la composante 1.1 du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel-Suède, cette campagne préoccupe au plus haut niveau le gouvernement béninois, à en croire la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifode. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt un caractère particulier car il s'agit du lancement de la campagne de communication Stronger Together 2021, qui a pour thématique centrale éducation et leadership féminin. Ce thème, faut-il le rappeler, constitue la prunelle des yeux de la gouvernance politique qui met un point d'orgue sur l'autonomisation et le leadership féminin, dont la pérennité passe inéluctablement par l'éducation des filles. Si Stronger Together signifie littéralement « Ensemble, nous sommes forts », la logique profonde de ces deux mots reste pertinente et présage de la promotion d'un Bénin où les filles et les adolescentes bénéficient de conditions favorables pour un plein épanouissement. Depuis le début de sa mise en œuvre, le programme Souhaite Bénin bénéficie de l'assistance technique de l'UNFPA Bénin et des secrétariats techniques régionaux. En dehors de ces acteurs, il faut souligner la contribution de l'OLOAS et de l'Union africaine au niveau stratégique et de l'initiative du Suède. Malgré les difficultés enregistrées, le Suède Bénin grandit, il grandit vite et avance actuellement vers une mobilisation inédite des acteurs, des ministères et un déploiement imminent des grandes interventions du projet sur le terrain avec le recrutement des ONG prestataires qui sera bientôt finalisé. Le ministre de l'Enseignement secondaire ne manquera pas à son tour de saluer la pertinence de cette campagne tout en invitant à une synergie d'action des acteurs pour une large réussite. Je suis particulièrement très heureux de ce programme parce que, justement, ce programme aidera nos parents à mieux comprendre l'importance de la fille à l'école. Ce programme permettra des changements de comportement dans nos maisons, dans nos écoles, pour l'épanouissement de l'enfant en général et pour l'épanouissement de la fille en particulier. Prévue pour durer 6 mois, la campagne Stronger Together vise le changement social et comportemental pour une meilleure éducation de la fille et la promotion du leadership féminin.